Salut tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, et aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un grand jour. Si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai annoncé que les poneys allaient partir en pension. Et cette vidéo, eh bien, c'est justement leur départ. Je vous avoue, voilà, je suis très contente, mais j'ai un petit pincement au cœur. Parce que du coup je sais très bien que voilà, ils seront plus chez mes parents et tout, ils vont être dans un nouvel endroit, je ne sais pas comment eux vont s'adapter, etc. Donc je garde quand même certaines petites appréhensions, malgré que je sais très bien que leur futur lieu d'habitation sera vraiment mille fois mieux que là où ils sont actuellement. Mais voilà, j'ai un petit moral en fait, hein. je suis pas au top de ma forme, mais je suis très contente quand même qu'ils partent là-bas. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi pour pouvoir garder un petit souvenir de cette journée qui est assez spéciale. Là il est midi et quart, la fille de la pension vient les chercher vers 14h. Donc là on va monter chez mes parents pour aller les préparer, les donner un petit coup de brosse et prendre déjà 2-3 affaires que j'emmènerai là-bas. Et après, au fur et à mesure, je vais faire le tri de ce que je dois prendre, laisser chez moi et tout. Mais voilà, là on va aller déjà aller les préparer. Et après, c'est parti, hein. En fait, je vous ai pas dit, j'ai changé de voiture. Ah, c'est plus la même avec la Saxo. Malheureusement, la titine n'a pas passé le contrôle technique. Donc j'étais obligée d'en racheter une autre. Et du coup je me suis fait un peu plaisir avec une plus belle voiture. Ça va mon chéri? Ça va mon chéri? Oui. Oh t'es belle ma pupée. Allez go. Va chez maman. Va chez mamie. Je vais me tuer. Les sols sont tellement casse-gueule. C'est horrible, je ne supporte plus ça. Hop, regardez l'état. Regardez-moi l'état du terrain. Et les poneys, ils sont enfermés au box pour le moment. Parce que les loulous se sont de nouveau amusés à se barrer. Donc j'ai dit pendant les 3 derniers jours avant leur départ, ils allaient être en box. Bonjour mon cœur. Bonjour Gossip. Bonjour Golden. Ah, vraiment, je crois qu'aujourd'hui je vais juste prendre les boîtes de pansage et les licoles, 3 licoles hein, pour quand ils monteront dans le vent et tout. Et au fur et à mesure, je ferai le tri de ce que j'emmènerai à la pension. Et le reste, au final, je le ramène dans mon appartement. Comme ça, je vide complètement ce qu'il y a chez mes parents et eux, ça leur permettra d'avoir beaucoup plus de place. Je suis contente, le soleil arrive vraiment beaucoup plus et il pleut moins. Donc, ce sera déjà peut-être plus agréable pour emmener les poneys. Voilà, mon ancienne chambre. Elle s'est bien vidée, hein, la cocotte. Du coup, dans ce bazar, il y a un sachet. Si vous vous souvenez de la vidéo où je vous donnais les sites pour trouver des équipements pour Mini, eh bien je vous avais montré des exemples. Et depuis cette vidéo, toutes les affaires sont restées ici. Donc je sais qu'il y a les licoles, 3 beaux licoles que je vais emmener. Il faudra que je prenne aussi les tapis. Parce que du coup, je vais pouvoir enfin travailler mes poneys. Du coup, je pense que pour... que je vais leur prendre. Est-ce que je prends les gros là? Oh, on va leur mettre ceux-là. Celui-là pour Bibi, le bleu. Le bordeaux, hop, pour Gossip. Et je sais qu'il y en a un petit, le tout petit que je vous avais présenté. Voilà, je pense que je vais prendre celui-là pour Golden. C'est les tout petits qui sont à sa taille. Tout minuscule, ce petit licol, c'est trop chou, je trouve vraiment. Je suis toujours en amour face à ces toutes petites licoles. Du coup, je vais prendre les trois là pour le voyage. Je sais, je crois qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de longe. Il va falloir que je retrouve les longes. La première à passer sous la brosse, c'est ma petite Golden d'amour.
Eric est toute cracra. Oh. Hmm? Bon, du coup, j'ai pas pu vous montrer les petites images pendant que je nettoyais mes loulous. Tout simplement parce que la fille de la pension m'a envoyé un message comme quoi ils étaient partis. Et vu que c'est à même pas 10 minutes de chez moi, bah ils vont arriver dans un instant. Donc j'ai vite fait brosser Bibi et Gossip. Là, je vais mettre les licos, je vais les emmener dans le terrain et on va les attendre qu'elles arrivent du coup. Les petits morveux sont attachés en attendant qu'elles arrivent. Golden, elle est là-bas. Et du coup, je prends pour l'instant juste mes deux boîtes de pansage. Ils ont leur licol, donc pour l'instant ça suffira. Mes deux petites boîtes de chez Unique Horse. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas de soleil parce que du coup les images sont pas forcément très lumineuses, colorées, mais c'est les deux boîtes que j'ai de cette marque là que j'adore. Bon, moi je vais aller me changer de chaussures parce que celle là c'est quand je vais dans le parc. Voilà, moi j'ai été légèrement éclaboussée, donc c'est super, on est contente. Et voilà, là les poneys ils attendent et on va pouvoir après partir. C'est qui est rentré tout seul dans le vent? Oui, mon cœur. C'est bon ça? C'est bon. Ouais. Petit cul là-haut. On a droit à la pluie. Petit cul là-haut. Ton petit cul. Skies of a different light, why noise it keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay course of God. But there was no other way, did you wait? Cause I've been counting the days and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's not home with you, but I'm coming home. Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? Cause it's been hard. You know I wanted to stay caught us off guard. But there was no other way. Did you wait? Cause I've been counting the days. And I'm calling up to say I'm coming home. C'est mon cœur. Même moi les mêmes choses, je ne sais pas comment. C'est clair. C'est gentil. Stay up till morning and head out exploring. Make up for moms that we've missed. Cause the cold air is cold. Regardez-moi cette feignasse. Madame est restée dans la voiture, on ne veut pas se cailler les petites papates, hein? Hein, Malaya? Hein, ma chérie? Bah oui, il fait froid dehors. Là, le temps, il s'est refroidi. Mais je ne vous montre pas tout de suite l'endroit. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo.